manipuler les réseaux sociaux à moins que le prenne justement. On a besoin de positionnement. Il y a ici un incident et qui cause là. Mingi surtout pour les enquêteurs, tant que vous quittez le terrain, vous avez dit que 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 vous avez dit problème. Vous comprenez? Dans des poches à problème. Et vous avez dit que vous avez dit que vous avez utilisé la géolocalisation. Pourquoi? Lobby, papa Lambert a dit que vous il y a des endroits au côté boyé mingi bilongo et mais ça n'habitant là tambula na boyé là bas tout kolobé là bas tabacha bisopeka alors au coq kende na yo mais ma belle coco comme la yo place wana les gens qui sont dehors de Sengeli ba remarquer place nini aux ali pour na comme la yo c'est court on ça la yango tozo ça la application moko et aux ala na carte ba téléphone na biso c'est pourquoi ba yisa yisa photo za na ba téléphone en boyé tozo installé option moko oyo qui permet de dire que nous la kisaka bisika oyo tozo kende parce qu'on peut appeler la police le loto yo ka oloba ah to benga di police azoya na ete souvent nous donnons aussi des adresses oyo complika ka batu pona okoma bisika wana voilà la raison de cette histoire tant aux ano epi que tant nazo benga bande ko na ngai ya société civile ou bien nazo benga la police nazo benga na tribunal nazo benga na administration du territoire il faut appeler ça bango positionnement nanga il y a des techniciens dans la salle azali oyo bakosunga biso tozo sala na nos applications nanga bakosunga ngo ko na libo place moi bakomi recherche moni yango cliquez la zone géographique. Calculer comment on a carte à téléphone quand la place à recherche. Calculer la zone. Comment il a Google hein? La place à recherche. La qui ça la recherche. Donc vous cliquez, attendez oui. Vous cliquez dans la zone géographique. Cliquez des places à moi. Cliquez géographique, Bibi, non, tu es dans le tableau. Cliquez Wana. Bon, moi, je suis en télévision. Ah, mais ça. Maman, je suis en anglais. Je suis en place où je suis installé. Il y a mis balai, Zali. GP. Sauf que comment tu peux écrire dans un bandasuko, première action. Est-ce qu'on est à la page? Oui. Bon, moi j'ai un après, tu vas pour copier. Hein? Bon, on a la moto qui dit. Activé. Activez vous. Après ouvrir. Après, dans votre voyage, on a activé et on a mis les trois options. Vous pouvez cliquer dans votre liboso va commis lorsque vous utilisez. C'est déjà dans la galerie. Ce qu'on sent qu'on nous a envoyé, le numéro que nous a envoyé pour bailler la place où tout ça est là, aux zones de la galerie, aux 1er août 2015, portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Vous n'avez pas besoin de loi. Papa, pas mais trop, comment vous n'avez pas portant modalité. La modalité d'application des droits de la femme et de la parité. Côté nous, c'est la loi, l'article nous faisant côté nous, les autres là,
2015. Portant modalité n'a plus rien pour les articles. Portant modalité d'application. Portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. 1,13. Article 13, article 26, 33, 16. On a toujours dit, s'il a expliqué, pour expliquer, d'abord. Ça, dans ma copie, il y a posé une initiative, il y a une entreprise, il y a une entreprise. Nous prenons des exemples palpables. Maître Merveille Azawa. Azawa Mbal, il y a un avocat. Mais mon père, le local a été bloqué, il a été bloqué, et ça a été très cher à la poisson à Kishasa. Donc, mettre à vos clients à soigner, moi, je vais aller à la Zala, et ça a été. C'est l'initiative privée. Moi, si avant de la vidéo, il faut créer. Aujourd'hui, là, il y a des femmes qui cherchent même des sous-vêtements, pas son bétail. Bientôt, vous serez peut-être déployé sur le terrain. En ce qui concerne la géolocalisation, en ce qui concerne tous ceux qui se sont succédés à ma place ici, qui nous ont parlé de ce problème, ont mis l'accent sur le rôle que chacun de vous a. Vous connaissez bien la cause qui n'a pas changé, la cause de notre femme, de la paix et de l'enfant, de l'événement, et bien les hommes qui sont là doivent être accrochés à ce problème pour que ce genre de problème n'arrive pas. Maintenant, la technologie nous donne encore beaucoup de privilèges. Et nous devons nous baser sur cette technologie pour la géolocalisation dès que vous serez sur le terrain. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que les intervenants qui se sont succédés ici ont parlé, ont bien formé. Maintenant, ça a vous d'appliquer. Vous êtes les pèlerins, vous êtes nos représentants et vous serez sur le terrain. Tout sera condensé par rapport à ce que vous allez transmettre à celui qui sera en train. Merci beaucoup aux formateurs, merci beaucoup pour ce temps que vous avez donné. Vous avez donné de votre temps, vous avez donné de votre intelligence, vous avez donné de votre savoir pour arriver à la conclusion d'aujourd'hui, pour que ce séminaire soit la réussite de tout cela dépend beaucoup de ce que vous allez faire sur le terrain par rapport à ce que vous avez appris. Voilà. Vous n'êtes pas venu ici pour chauffer les chaises, mais vous êtes venu ici pour apprendre quelque chose. Et lorsque vous apprenez quelque chose, vous devez mettre ça en pratique. Et c'est là où on trouve des vrais résultats et que les formateurs seront contents de dire que voilà, oui, nous avons fait un travail. Oui, nous avons bien fait le travail. Oui, nous avons formé. Mais en tout cas, encore une fois, toutes mes félicitations et que le fruit de ce travail de séminaire se verra dans les jours à venir selon l'application que vous allez mettre sur le terrain.
formation s'est terminée avec une bonne ambiance parce qu'aujourd'hui là nous avons montré, nous avons parlé sur les rôles des DH sur les terrains, sur la protection et la... Nous avons parlé sur la sécurisation et protection des femmes, filles et personnes vivant avec handicap et nous avons épinglé du côté droit pour monter les articles qui protègent la femme, l'enfant, la jeune fille et la personne vivant avec handicap. C'est ce que nous avons monté, les articles pour que les participants puissent maîtriser et faire bon usage sur terrain. Parce que quand on ignore tout ça, même si on est devant l'obstacle, on ne saura pas comment surmonter ça. Et les enquêteurs aussi en ont bénéficié, parce que sur le terrain, nous avons beaucoup à appliquer. Vraiment, la journée d'aujourd'hui s'est passée en bonne et due forme, mais par rapport à la géolocalisation, c'était le deuxième jour, et nous avons aussi épinglé... faire les paramètres sur nos téléphones Android parce que c'est ça qui va nous aider sur le terrain pour nous localiser dans nos lieux, dans nos champs d'action où nous serons. Vraiment la journée s'est bien terminée par rapport au deuxième jour. Merci Papa Maître pour la parole. Ce que je pourrais dire, tout ce que nous avons appris, je demande aux participants de bien assimiler sur le terrain, surtout du point de vue animateur et puis les enquêteurs. Le rôle de chaque activité doit se faire voir sur terrain. Ce qui concerne la sensibilisation et l'enquête, qu'est-ce que nous allons faire sur terrain pour obtenir un bon résultat? C'est pourquoi je demande à la population d'être souple pour dénoncer les cas de violence, pour dénoncer les poches à haut risque. Comme ça, nous aussi, ça va nous faciliter de bien faire notre travail sur terrain.